Voilà un gros livre. On se rend bien compte. C'est un livre normal. Aujourd'hui, le vlog ne va peut-être pas être super intéressant parce que je vais filmer ma journée. Je suis avec un ami, on va à Köln. Alors j'imagine que vous connaissez pas, c'est une ville à côté de la frontière allemande. Il n'y aura pas de message spécial, voilà, je vais tester vraiment du full vlogging. On va voir ce que ça donne, peut-être que ça sera nul. Mais dans tous les cas, même si c'est nul, bah voilà, je referai. Dans deux jours, je vais à Paris et je ferai exactement la même chose, donc c'est parti. Ok, donc on va y aller, voilà, je suis un petit peu en retard. Donc c'est parti, je démarre direction Liège. Ce qui est assez marrant, je trouve, c'est qu'il y a pas mal de vlogueurs qui se filment en conduisant. Et en fait, je sais pas trop comment ils font pour gérer le fait de conduire et de se filmer en même temps de façon assez facile. Voilà, dans le fait de changer de vitesse, dans le fait de regarder en même temps si tout va bien, c'est pas super simple. En fait, je sais même pas si je vais garder cette séquence au montage, on verra bien. Voilà, embouteillage. Voilà, je suis arrivé, mais finalement je suis pas le seul à être en retard et il est encore plus en retard que moi. Bon voilà, direction Aachen. Donc qu'est-ce qu'il y a à voir à Aachen? Der Dom. C'est quoi Der Dom? La cathédrale. Ah ouais, c'est pour ça, ouais. Donc Aachen avec la chapelle. Donc c'est pour ça, mais à part ça, il n'y a pas grand chose à voir concrètement. Mais tout à fait honnête. Il y a les putes, hein. Ah ouais. Sérieux? Ah ouais, c'est vrai que c'est réputé, ouais, c'est vrai que c'est réputé pour ça, ouais. Pourquoi tu crois qu'il y a autant de lieux là-bas? Temps de trajet 45 minutes. Ah ouais, quand même. Wir sind in Aachen. Excellent. Voilà, on y est là. Oh, es gibt Fahrrad. Ja. Achtung. Voilà, on y est. On vient de se garer. On est dans le parking à Aachen. Qu'est-ce qu'on va faire en premier alors? On rush sur les magasins. Tu veux dire dans un centre commercial? Magasin, tu vas aller dans un magasin bio ou quoi, c'est ça? Ouais. Ok. Voilà, on est dehors. Là, on va changer de... Merci. Alors voilà, hier en fait, dans le... Il y a deux jours, je vous parlais... On va par où? Il y a deux jours, je vous parlais de vraiment exploser sa zone de confort, de faire des choses qui sortent de sa zone de confort, parce que c'est important de faire ce genre de choses. Et je vous disais que voilà, moi ça me challengeait vraiment pas mal de me filmer en rue. Donc voilà, là on est en rue, alors on le voit peut-être pas, il y a quand même un petit peu de monde qui passe. Et l'idée, ça va être de se filmer un maximum pour vraiment me sortir de ma zone de confort, parce que voilà, c'est vraiment ça qui fait grandir, c'est ça qui petit à petit vous amène vers vos objectifs de constamment se challenger. Bon, on est dans le centre là. Ouais. Le centre d'Aachen. En plein centre d'Aachen. Ein Toter?
Vous pouvez voir qu'il y a de pas mal à manger en Allemagne. En fait, j'essaie de trouver quelque chose pour manger, pour une collation, genre des plantains ou quelque chose comme ça. Mais je vais pas voir s'il y en a. Voilà ce qu'on a trouvé. Les parts. Oh. Voilà, la mango. Ça a l'air pas mal. Manqué. J'adore la mango. Oh là, la blueberry. Tu vas faire tes courses pour la semaine là. Tu veux un sapin comme ça? Ah, c'est super bien. C'est top. Le temps commence vraiment à se dégrader. Voilà. Il commence à devenir compliqué de filmer. Et voilà, là franchement je suis super content. On peut dire qu'on est dans une rue animée, je crois. Ouais. Je crois qu'on peut dire qu'on est dans une rue animée. Et voilà, c'est assez sympa de filmer, c'est assez sympa de ressentir un petit peu l'effet que ça fait de sortir de sa zone de confort, quoi. On se sent vraiment content de soi. C'est pour ça que je vous invite vraiment à faire, peut-être pas au quotidien, mais à essayer une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, de vraiment faire des trucs qui vous sortent vraiment de votre zone de confort, qui vous challenge, qui vous stresse un peu, et voilà, que vous vous sentez capable de faire, et petit à petit ça permet d'avancer, c'est super. Oh, voilà un gros livre. On se rend bien compte. C'est un livre normal. Bon bah voilà, je crois qu'on est à la fin de notre périple à Aachen. Effectivement. Est-ce qu'on reviendra? Sûrement pas. sûrement pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que vous avez le potentiel pour atteindre vos rêves. À demain. Rudy en full à colle.